Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado, como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quintas. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Nos ha costado mucho conciliar el sueño por el entusiasmo que generaba ver el partido que está a punto de arrancar. Nos ponemos las pilas porque se vienen Middlesbrough frente al Chelsea. ¿Juegan los Blues? ¿Juega el Chelsea? ¿Cómo jugarán, Mario? Fernando, está bastante complicado y si no reaccionan, me parece que la participación en la Copa la van a tener muy complicada. No se han dado los resultados y eso que pensaban, salir campeones. Vamos a ver lo que pasó hoy. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Hoy el técnico ha optado por 4 en el fondo, una mitad de la cancha con 5 jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce match. Pierre. Salut Hervé, plaisir partagé. L'affiche du jour, Middlesbrough face à Chelsea. Intéressons-nous un petit peu à Chelsea dans cette rencontre. À se mentir, la première moitié de la saison est ratée. Surtout pour une formation qui visait une qualification en Coupe des Champions. Clairement, ils n'ont pas le niveau. Eden Hazard, un joueur très suivi dans l'effectif de cette équipe. Actuellement un des joueurs les plus en forme de son équipe, à Plon, qui reste sur 4 buts sur les 3 derniers matchs. Bon petit ratio. L'équipe à domicile donne aussi la proposition. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Alors on découvre l'organisation mise en place par l'entraîneur aujourd'hui.